Bang bang, monsieur Vinzer de la Street Zer, en direct de Smooth TV. T'as capté ou pas? Fort, let's go. Alors, mon vrai nom, c'est Foro Kevin Moussa. Je viens du Burkina Faso, 226 représente. Là, je suis à Abidjan, Abidjan, Côte d'Ivoire, et je suis très content d'être ici. Déjà, l'accueil, il est parfait. Voilà, donc ça va, tranquille. Alors, en quelques mots, si j'allais me présenter, j'allais dire jeune Africain, talentueux, déterminé pour atteindre ses objectifs. Voilà. Déjà, la rage de vaincre, la rage de représenter la musique de mon pays partout dans le monde, et surtout mon bébé, mon joli bébé que je viens d'avoir, c'est tout ça qui me donne la motivation, la famille, tous mes fans qui comptent sur moi depuis la première heure. Alors je fais du rap depuis maintenant depuis 2013, donc maintenant ça fait 10, voilà quoi, 10, 11 ans et tout. Déjà, j'étais inspiré par des artistes comme La Fouine, comme Bow Wow, Lil Wayne et tout ça. Voilà quoi. Et j'ai toujours voulu faire de la musique parce que c'est le domaine dans lequel je me sens le mieux. Alors, mes influences dans la musique, c'est le rap déjà, comme toute évidence. Voilà quoi. C'est le rap et surtout, c'est au fait l'envie de mettre bien les gens, la manière dont le public, ils sont en transe à chaque fois quand on est sur scène, le plaisir qu'on transmet, les émotions qu'on transmet avec nos musiques, voilà, c'est tout ça qui me galvanise et qui me motive. Moi, je définirais mon style de musique comme du rap carry. C'est pas du rap hardcore. Auparavant, c'était du rap hardcore. Mais maintenant, les textes sont un peu plus carrés, quoi. Parce que dans mes textes, je suis pas focalisé sur les gros mots, sur les clashs et tout. Mais dans tout ce que je dis, il y a déjà des messages de persévérance, de soutien, voilà quoi, à tous ceux-là qui se battent. Voilà quoi, faut jamais abandonner dans ta vie. Quand tu as un rêve, faut te battre au maximum. Bien sûr, j'ai pas mal de feats, mais c'est surtout maintenant que je m'ouvre encore plus côté collaboration. Donc déjà dans mon album qui va sortir d'ici la fin de l'année, il y a des feats qui sont là avec des artistes comme Smarty, qui est un grand rappeur du Burkina et maintenant africain. Voilà, il y a des feats avec Frankie FP. Et là, sur la Côte d'Ivoire ici, on est en train de travailler pour élargir notre cercle de collaboration. Les feats de rêve, ouais, La Fouine ou Booba. Ouais, beaucoup. Il y a eu beaucoup de difficultés financières au début, beaucoup de difficultés émotionnelles, parce que lorsque tu n'arrives pas à percer comme tu veux, il y a beaucoup de frustration. Lorsque tu n'es pas invité à des événements, pourtant tu penses que tu mérites, il y a beaucoup de frustration. T'arrives pas à mettre ta musique où tu veux, ta musique ne part pas où tu veux aller et tout quoi. Ce sont des frustrations, ce sont des difficultés qu'un jeune artiste il rencontre forcément. Mais dans tout ça, le plus important c'est de continuer à se battre, continuer à persévérer quoi. Ne jamais baisser les bras et toujours avoir confiance en soi et à son talent. J'étais invité une fois pour une prestation. Mon nom était censé être sur la liste des artistes qui vont jouer. Maintenant, au cours de la soirée, finalement, on appelle tous les artistes sauf moi. Pourtant, moi, ce jour-là, moi, je suis allé avec toute ma famille, man. Je suis allé à la maison, j'ai dit non, moi, je joue là-bas ce soir. Tout le monde était chaud, tout le monde m'a suivi, on est parti. On a appelé tous les artistes sauf moi. À la fin, moi, vraiment, ça m'a frustré. Pourtant, moi, mon nom était sur la liste, en haut même en plus.
Mais tu vois, tous les artistes qu'on a appelés, c'était des artistes qui étaient encore plus cotés que moi. Donc du coup, à la fin, on m'a mis à côté. Et moi, ça m'a frustré. Au retour encore, eux sont partis de leur côté. Moi, j'ai pris ma moto. À ce temps, je n'avais pas de voiture. Et puis ma moto, en route, l'essence m'a lâché. Ça veut dire que j'étais en train de pousser ma moto. Pendant que certains artistes qu'on appelait dans la boîte, ils étaient en train de me dépasser avec leur voiture, musique à fond, man. Avec un tout, ça chillait dans la voiture. Là, je te jure, ce jour-là, j'ai versé des larmes, man. J'ai dit, un jour, moi aussi, j'aurai ma voiture, man. Laisse tomber. Ouais, rapidement, comme ça, ce qui me vient dans la tête, lors d'une de mes prestations sur scène, il y a un gars qui était tellement content de me voir, fier de me voir jusqu'à ce qu'il a pleuré. Et moi, vraiment, ça m'a marqué jusqu'à maintenant. Ouais, je le big up depuis sa position. C'était une prestation au LTO. Je ne me rappelle plus de l'année. Bang, 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 voilà, c'était Monsieur Vince pour Smooth TV, Abidjan, Côte d'Ivoire, Burkina Faso 226. T'as capté ou pas? Fort bras.